Bonjour mes chers Poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de septembre déjà. Et oui, alors on va voir ce que nous réserve les prochaines semaines. J'en profite pour vous signaler qu'il y a le concours mensuel qui est toujours en d'actualité en ce mois de septembre. Donc pour remporter un tirage personnalisé et réalisé par mes soins, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne YouTube et soit, eh bien vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Et et un des commentaires sera sélectionné et remportera donc un des deux tirages personnalisés. Ou alors, vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo eh bien, le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Insta ou Facebook, et puis le pseudo si vous en avez un. Et donc, un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas qu'en plus de cela, je présente donc chaque semaine des guidances sur Insta et Facebook. Donc, pour ne pas rater ces guidances hebdomadaires, n'hésitez pas m'y retrouver. Vous avez les liens de ces pages dans le descriptif de cette vidéo. On va se recentrer autour des énergies de septembre, mes chers poisson avec euh, un mois de septembre assez saisissant. Après, ça peut être l'idée d'une remise en mouvement des choses. C'est la rentrée. Mais c'est vrai qu'on a à la fois la route fortune en termes d'énergie positive pour votre mois, qui est une lame majeure qui annonce des changements, des imprévus. Euh, et donc, il va falloir un peu surfer la vague et s'adapter avec ce que la vie euh, va nous présenter sur le chemin en septembre, parce que ce sont majoritairement de bonnes surprises si on sait jongler avec mais il y a en plus de cela la carte de la maison dieu qui donne la vibration et qui donne pardon la direction pour votre mois de septembre et cette carte de la maison Dieu est également une lame majeure. Elle est d'autant plus saisissante qu'elle vient euh, renforcer l'idée de changement, l'idée de transformation. On le verra avec les deux dernières cartes issues d'oracles que le message est répété jusque euh, dans les oracles que nous verrons en, en fin de vidéo. Mais donc il y a une notion de route fortune, nouveau cycle et la maison Dieu. En plus, la route fortune, c'est à la fois euh, l'idée de un nouveau un nouveau départ, mais c'est l'idée aussi de la fin d'une situation. Hein, c'est la roue qui tourne au fond. Et la carte de la maison Dieu, il y a l'idée de quelque chose qui euh, tombe en ruine ou qui s'effondre, mais qui permet, euh, si vous voulez, de faire place nette pour quelque chose, pour qu'on puisse ériger quelque chose de nouveau. Donc il y a cette idée là un peu symétrique de quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui s'achève, et puis ça permet un nouveau cycle, ça permet à quelque chose de nouveau de surgir. Mais c'est assez virulent, si vous voulez, dans les deux cas. C'est-à-dire que la route fortune, ça peut nous... A un peu nous tomber dessus déjà. Il peut avoir un coup, un coup de poker ou un coup de chance, euh, quelque chose un peu comme le destin qui intervient. Et la carte de la Maison-Dieu, il y a quelque chose aussi un peu de soudain. Le, le ciel nous tombe sur la tête. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire, mince, est-ce que ça va être un problème qui va me tomber dessus Je ne pense pas du fait que la route fortune soit dans les éléments positifs. Je, je, ce que je ressens, c'est plutôt que ça va vous déstabiliser quand on voit la carte du 2 de Denier dans les obstacles et les difficultés du mois de septembre. Le 2 de denier, c'est un jongleur qui est avec deux pièces d'or et qui a euh, des difficultés à trouver son équilibre. Donc, ça peut être des événements qui vont un peu venir vous troubler sur un plan purement matériel. Financièrement, vous ne savez pas très bien comment vous allez gérer cette situation. Ou alors, ça pose des dilemmes, ça pose des, ça, ça, ça pose des questions sur le plan matériel comment euh, gérer ça, comment euh, approcher la situation de ce point de vue-là. Je risque d'être déséquilibré économiquement, matériellement, euh, ça risque de mettre dans une situation pénible, on pourrait se retrouver un petit peu euh, dans une situation où on sait pas euh, si on va arriver à conserver un équilibre. Alors ça peut être vraiment sur le plan économique, ça peut être plus qu'on ait euh, un peu euh, les, le cul entre deux chaises, hein, comme on dit vulgairement. Euh, Peut-être que l'on a tout simplement avec le 5 de coupe en termes de vibration. Peur de perdre quelque chose dans l'affaire. Parce que, évidemment, s'il y a la route fortune, il y a un cycle qui s'achève et on a la maison Dieu, il y a quelque chose qui s'effondre. Bon, bah, ben, il y a une perte. Et 5 de coupe, ça peut être la tentation de focaliser notre attention au cours du mois de septembre sur ce qui risque de se perdre. Donc, au lieu de se focaliser sur ce qu'on va gagner, à faire place nette ou accepter ce changement ou aller vers cette aventure nouvelle. Parce que euh, la carte du 2 de denier, ça peut être ça. Hein, le, on jongle entre eux, euh, ce que l'on est. Euh, en train de perdre mais que l'on doit laisser derrière et ce qui reste inconnu et vers le coin on doit, vers quoi on doit pourtant s'élancer. Par exemple dans un cadre euh, professionnel, il y a un projet qui est de toute manière en train de se délabrer, une situation qui est en train de s'appauvrir, euh, de toute manière, c'est en train de tomber en ruine. On peut s'atteler autant qu'on veut à essayer de réparer euh, les fissures au mur, il n'y a plus de toiture. Donc, il faut accepter que, voilà, c'est l'occasion euh, de, justement, euh, se tourner vers de nouveaux projets et nouvelles aventures. Sur le plan relationnel, le 5 de coupe, des fois, ça peut être un de perdu, 10 de retrouvé. Donc, en l'occurrence, ça peut être, on est en train de... Euh, hésiter à se dire est-ce que ça vaut le coup de sauver cette situation sauver cette relation parce que je de coupe on se dit qu'on sait ce que l'on perd mais on ne sait pas ce que l'on va gagner et euh, dans ce cas là on a vraiment un encouragement pour ce mois de septembre à aller vers la nouveauté parce que cette route fortune c'est vraiment, des fois, un coup de peau. Donc, euh, si on laisse passer sa chance, bah, il n'y en aura pas une autre. Donc, euh, faut y aller. Euh, ça peut être aussi, bon, euh, des surprises comme ça, quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, quelque chose qu'on n'avait pas préparé, quelque chose qu'on n'avait pas planifié, mais qui va s'avérer être vertueux pour nous, bénéfique. Donc, euh, là aussi, ce serait dommage de le laisser passer. Il euh, y a le besoin de se montrer un peu l'esprit aventureux. Hein. Il faut prendre des risques avec la carte de la route fortune, euh, même si euh, ça vient changer, bouleverser, nos habitudes de vie, euh, ça va être sur du long terme bénéfique. C'est de toute façon souvent inévitable quand on trouve la maison Dieu. C'est de toute manière euh, comme ça. Avec la maison Dieu dans les changements imprévus, on peut, bah, il va falloir accepter cette mutation. Bon bah, il va falloir déménager. Bon bah, euh, matériellement, bah, vous savez pas si vous pouvez euh, prendre cet appartement ou acheter cette maison, mais euh, parce que vous savez euh, ce que vous laissez comme logement, mais vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez trouver. Il faut y aller. Il hein. y a de toute façon et peut-être même, vous n'avez pas vraiment votre mot à dire. Il hein, y a des forces extérieures qui peuvent influencer votre situation. Et euh, du coup, il va falloir, euh, voilà, euh, un peu, euh, comme je vous disais dès le départ, surfer la vague et, euh, et laisser un petit peu les, les, les événements vous porter et ne pas aller à contre-courant. Hein, euh, parce que, voilà, le 2 de denier, vous pourriez euh, très simplement avoir une peur de, de déséquilibre. Alors, comme on a la roue de fortune et qu'on a les 2 de, de denier, les petites pièces d'or, on peut se demander s'il y a un élément vraiment matériel. Elle qui entre en compte la maison, Dieu pourrait nous ramener à quelque chose, peut-être même de l'ordre de l'immobilier, de l'habitat. Euh, mais c'est vrai que plus simplement, le de denier euh, est, est donc dans la crainte de peut-être perdre son équilibre ou la difficulté à conserver un équilibre euh, que la carte peut souligner. Il y a beaucoup de responsabilités au quotidien à devoir gérer qui nous éparpille On est un peu scindé en deux. Et donc, il euh, y a un moment un peu difficile, un peu de tension dans dans, dans cet équilibre fragile. Euh, Peut-être bon, plus simplement, il y a des dépenses euh, bon inattendues avec la route fortune qui déséquilibre vos affaires, vos comptes. Euh, et que vous allez avoir pendant un temps euh, du mal à gérer quoi. Ça va être avec un budget dans ce cas-là euh, super serré quoi. Euh, il peut euh, avoir euh, vraiment quelque chose de matériel, mais vous pourriez être plus simplement dans une situation où vous dansez d'un pied sur l'autre parce que vous êtes dans une hésitation euh, sur un plan très concret. En plus, c'est des problématiques que vous rencontrez qui sont très concrètes euh, en, en septembre et euh, en vibration. Vous pourriez euh, avec ce 5 de coupe avoir d'emblée euh, la crainte de de perdre quelque chose dans, dans cette affaire. Hein, parce que la carte du 5 de coupe, c'est euh, une difficulté. On, on, on se dit, bon, allez, on peut peut-être sauver les meubles, allez, on peut peut-être sauver l'affaire. Hein. Et donc, on peut être tenté, avec ce, ce notamment ce ce de denier, on peut être tenté de, de, de se dire, bon, mieux vaut que je m'accroche à ce que je connais, même si je ne suis pas bien, plutôt que de me laisser porter par les vents nouveaux et, et me retrouver dans une situation qui sera peut-être pire que celle qui est aujourd'hui la mienne. En réalité, euh, c'est n'est pas ce que nous dit le tirage, il y a un besoin de peut-être même d'une certaine purge avec la carte de la Maison-Dieu. Alors, il y a peut-être des remords, il y a peut-être la peur d'avoir des regrets, euh, il y a, a peut-être quelque chose à sacrifier, et c'est peut-être précisément un choix difficile à faire. Euh, mais il euh, ne faut pas être dans le déni. Hein, avec la carte du 5 de coupe, cette carte, elle, elle va nous inciter à, à nous défaire un peu de... De ce que oh, j'ai perdu ça, oh, je risque de perdre ça, de, de toutes ces déceptions-là pour aller de l'avant. Hein, parce que c'est une carte de deuil, le 5 de coupe. Ça nous dit qu'il faut arrêter de focaliser notre attention sur ce que l'on a perdu. Euh, il faut garder euh, le regard bien euh, loin sur l'horizon, sur ce que l'on pourrait gagner. Hein, et donc ne pas se focaliser au fond par euh, sur des éléments négatifs. Euh, euh, qui peuvent être provoqués tout simplement par le fait que bah oui mais je m'y attendais pas bah il peut avoir un coup de foudre aussi hein, qui vous euh, qui vous déstabilise et vous hésitez à cause de ça ça vous fragilise peut-être bon c'est pas impossible dans ce cas-là la relation était déjà celle qui existait déjà et était peut-être un peu mourante hein. c'est pas impossible mais c'est vrai que ça peut être aussi euh, une, une proposition comme ça qui surgit de nulle part pour un nouvel habitat pour un nouveau boulot et bon euh, je sais ce que je risque de perdre encore une fois et j'ai peut-être peur de ce que j'ai ce que je vais trouver mais la carte de la maison de dieu est un côté un peu explosif alors des fois c'est un peu cathartique des fois c'est l'idée qu'on a une sorte d'illumination intérieure une sorte de révélation il faut que j'aille de l'avant de toute façon il faut que je sorte de ces tergiversations avec moi-même où je suis sur ce que je pourrais perdre ou ce que je pourrais gagner, et que de toute façon j'accepte qu'il y a un changement important qui doit se produire. Que cette rentrée à l'annonce, un nouveau cycle de la, duquel je peux tirer parti euh, à la condition que j'accepte les bras grands ouverts le changement peut-être même que je le provoque euh, que je quitte certains schémas qui euh, qu'on ne peut plus sauver ça peut être des relations des fois et, et des situations mais le message est à la transformation c'est ce que nous dit euh, l'avant dernière carte que nous avons pour votre mois de septembre et qui comme je vous le disais d'emblée en début de guidance est une lame qu'on peut associer aussi à, à un changement très fort alors la carte est issue de l'oracle de l'éveil intuitif, euh, qui a été, euh, que j'ai euh, eu dans la spiritual box de juillet, qui était offerte avec la spiritual box de juillet. Et nous avons la carte de la transformation. Et même l'auteur le dit, la carte de la transformation peut être associée à l'idée de l'arcane sans nom, dans le cadre des lames majeures du tarot de Marseille. C'est pas moi qui le dis, même si j'aurais pensé très fort, même si je l'avais pensé très fort en voyant pardon, la carte, Eh bien euh, elle le dit elle-même, hein, euh, enfin euh, il le dit, pardon, euh, Chris se met euh, lui-même. Et donc, c'est une carte qui parle encore une fois de mutation. Bon, on peut être sur quelque chose de géographique quand on repense à la Maison-Dieu, la Route-Fortune qui peuvent nous parler de déménagement. Il y a l'idée de fin de cycle, il y a l'idée qu'on change d'état et qu'il y a une modification profonde d'une situation. À la condition qu'il y ait le deuil de quelque chose qui soit fait, qu'on arrive à renoncer, qu'on reste pas entre deux os hein, avec le fameux euh, deux de deniers. Donc, il y a euh, allez, on y va, on déménage ensemble, allez, on y va, on termine cette relation, allez, on y va, je change d'activité, je mets un terme à cette à ce contrat euh, bon voyez ouais, il a, y, a, y, a, y a des ou alors les choses se produisent de sorte à que ça me pousse dans cette direction et je suis le mouvement il hein, y a aussi ça peut-être des événements qui vont vous pousser vers la porte sortie dans une relation dans un projet etc puis bah faut, faut suivre le mouvement hein, dans ce cas-là Il faut pas lutter euh, contre euh, voilà, l'effondrement de cette situation qui va amener à, à une, une révolution, hein, parce que l'arcane sans nom, normalement, euh, la carte de la transformation nous le dit également, mais la carte de la révolution euh, est euh, très clairement associée à l'arcane sans nom. Alors, on va avoir comme dernier message, dernier recommandation, dernier conseil pour ce mois euh, de septembre, une lame issue de l'oracle, le souffle des Amazones, et nous avons la carte de la vision avec ce troisième œil qui est dessiné et qui nous dit, voilà, ce qui est... Euh, dépend de qui tu es. Donc c'est euh, ce que je veux, ce que je suis et ce que je veux euh, va un peu jouer sur ma réalité. Donc euh, euh, la carte de la vision, elle nous dit que vous pouvez même avoir une sorte de vision en vue pour ces changements-là. Même si c'est des événements que vous subissez, si vous commencez à les penser dans la vision que vous souhaitez voir de, de l'évolution de ce projet, de cette relation, vous avez les moyens de la transformer, cette situation, que ces changements soient le lieu d'épanouissement pour vous, pour votre vie professionnelle et, et ainsi de suite. La vision, c'est comment vous avez une capacité, parce que vous souhaitez intimement, de, euh, quelles que soient les opportunités, les transformations en cours, arriver à imposer à ces événements-là un peu la tournure que vous souhaitez pour accéder à la vision, elle a un objectif, c'est j'ai un dessin en vue, j'ai un dessin en tête, et donc je vais faire tout ce qui est possible pour que, euh, avec ces transformations, ou malgré ces transformations, arriver là où je veux. Ça peut être même des facilitateurs. Au début, on pense que ça un peu nous restreint, et au fond, ça nous amène plus rapidement que prévu euh, au point d'arrivée. Arriver. Donc vous pouvez tirer parti de ces événements soudains si vous les subissez mais vous pouvez aussi donc les provoquer et euh, amener à votre vision à plus clairement et rapidement euh, s'affirmer et se concrétiser euh, au cours du mois de septembre alors si vos questions sont en revanche mes chers poissons plus amoureuses, je vous le disais déjà le mois dernier, je devais faire des guidances amoureuses trimestrielles, je n'ai pas eu le temps de les faire avant mes congés comme je souhaitais le faire parce que j'ai été complètement débordée euh, en revanche je vous promets que ce sera fait pour septembre, octobre, novembre, pour cette rentrée. Et donc si vous ne voulez pas les rater, eh bien euh, abonnez-vous à ma chaîne et puis ça vous permet de participer aussi au concours pour remporter euh, donc un des deux tirages personnalisés euh, que euh, vous pouvez gagner dans le concours de septembre en laissant tout simplement un commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Facebook ou Insta euh, pour chaque semaine avoir votre guidance donc hebdomadaire, euh, je vous retrouve donc pour ces guidances amoureuses trimestrielles mais un petit peu plus tôt aussi, je vous réserve plein de petites surprises euh, pour cette rentrée euh, et donc euh, je vous dis à, à très vite j'espère prenez bien soin de vous